Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH Lan et pour Kounia, nous allons présenter au grand titre. Mesdames République là, Martine Moïse a pris possible avec série distribution jouet by Timoun dans différents départements pays. Première dame non, t'es dans ville Inche mercredi 12 décembre non, dans cadre distribution jouet pour fête Noël là. Ministère intérieur en tête collée avec Office Management Ressources Humaines OMRA, chaque programme Nations Unies pour développement PNU l'ouvrit officiellement jeudi à symposium sur gouvernance territoriale pour délégués départementaux, vice-délégués et secrétaires généraux. Activité ça fini vendredi 14 décembre. Non. Groupe croissance en tête collée avec cabinet Marsan et puis Impact lancé mercredi 12 décembre. Non. Première édition symposium sur passation marché public. Activité ça a fait sous deux journées après Unicad dans administration publique là avec chef entreprise dans le secteur privé. Enquête ministère éducation nationale avec formation professionnelle t'a réalisé son emploi ministère avec ça qui n'en poste captain lettre nomination dans phase finalisation d'après directeur communication ministère Miloudi Vincent. Et puis parmi 27 membres de l'Union européenne, ils n'ont pas souhaité modifier l'accord qui a été joint à Royaume-Uni sous dossier Brexit. Jean-Chancelier allemand Angela Merkel fait connaître sa position générale État membre. Restez avec nous, amis TNH, si tu as le sujet pour le développer dans le journal. Bonsoir tout le monde, Jean-Noté Djoli, Première Dame République, la Martine Moïse, après la possible série distribution jouet by Timoun dans différents départements PIA. Mercredi 12 décembre, non, Première Dame Nantes dans ville Inche, dans le cadre distribution jouet pour fête Noël. Reportage, Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duverne. C'est à Kampil qui est content, fait, Timounio accueilli Première Dame Martine Moïse dans le moment où il fait distribution ça. Majorité bénéficiaire, c'est élève l'école nationale, parents yo pas de gros moyens pour acheter jouets pour yo pour fin année. Moi, je suis venu à Première Dame, qui est le président du pays. Je remets la pile, je remets jouet moyen et je dis bienvenue. Pour participation li fait pour tout ti moun yo li séparé joie ba ti moun yo on dit merci 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 en pile on devine pour cadeau le président fait mon bagage il a porté cadeau pour ti moun yo même j'attends Noël ça le dit là ti moun yo c'est un ti moun grand monde de mieux ça le la fini ti moun yo baï cadeau président ba cadeau a. Et pour si mon yo pa gen goumé, moi mes sa ka fèt la gen ti moun. Gen ti moun gen la police, moun pa ka bon bay nan mes ti moun. Merci. Yon aspect ki spécial nan distribution sa, secteur moun handicapé yo te gen chance participer. Ti moun handicapé recevoir jouet. Petit parent ki handicapé yo jwenn jouet tout. Mais nous pa gen moun jodi a nou kwè nou gen moun, nous di madame Moïse merci pour cadeau. Noël sa kel bay moun handicapé avec tout l'autre école yo. Mais spécialement, nous dit madame Moïse et nous parlons avec monsieur François Vidreuil pour le mener à nos côtés parce que nous connaissons le coin dans ça. Et nous dit travail à faire, nous avons continué et avantage plateau central avec la main. Après Nord-Ouest, Nord, département Saint-Lan, c'est troisième côté Papa Noël entre Kaïti Mounio, côté cadeau pour fin année, une initiative, Première Dame République là. Et président commission planification et coopération externe dans le Sénat, Sorel Jacinthe, annoncé commission a bien pour chita ensemble pour établir un calendrier pour analyser projet loi finances 2018-2019 l'an. Cependant, sénateur a fait connaître, il a obtenu exposé motif ministre financement a bien pour faire dans le Sénat. Il a extrait le micro, fait bien confident avec Moïse Ulbrich. Moi, t'es dans le bureau président, les ministres, des finances te viennent déposer budget. Ils déposent budget qui n'est pas officiel parce que faut que tu aies une assemblée pour déposer. Mais nous songeons que le budget ça a été déposé déjà avec question gaz là. Donc, il faut reprendre le budget pour le modifier.
ce que le ministre a fait, et je dis, sans taxe gaz là, il dépose un budget qui est 178 milliards de gourdes. Le ministre a parlé de l'éducation, il a parlé de santé, qui a une pile augmentation là-dedans par rapport à Jean Budgetier sur le plan structure sociale et en même temps sur le plan social. Il parlait de travaux publics, de TPTC, il parlait de agriculture, donc gagner affaires sociales, gagner 5 entités, 5 ministères pour moi-même, j'aime comprendre, qui augmentait et en même temps qui est en priorité. Qui est en priorité. Et le ministre mettait en pile en phase sur la structure sociale et sur l'apaisement social. Donc, je pense que c'est ça nous-mêmes nous demandons et c'est ça la plupart de acteurs dans la population ont demandé. Parce que Jodia, nous avons une population qui est démunie, nous avons une population qui par contre à qui s'insurge. Donc, dans ce sens-là, je pense que il y a un pile de travail qui vous baille, un pile de job qui vous baille, un pile de travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui vous faites, et un pile de travaux tout sur le plan structurel qui vous faites, qui vous permettent de gagner l'argent dans le. Donc, c'est ça, le ministre a dit nous hier. Donc, il fait des dépôts au niveau du bureau. Donc, nous-mêmes, nous allons prendre, moi-même avec commission planification et commission. Budget, nous voilà le chita pour nous connaître normalement comment nous voilà garder le budget à qui ça compte dans et qui ça nous-mêmes nous capoter comme modification ou d'acceptation. Et groupe croissance, notre tête collée à cabinet Marsan et puis Impact, lancé mercredi 12 décembre, non, première édition symposium sous passation marché public. Activité ça qu'a fait sous deux journées après une cadre d'administration publique là avec chef entreprise dans le secteur privé. Pendant deux journées, ça y est, participants y ont réfléchi sur un ensemble de thèmes qui ont rapport à bonne gouvernance financière, renforcement de transparence dans la gestion finance publique, commande publique et la trier. Écoutez, yon bout dans déclaration Claudie Marsan avec Joanne Garnier dans le micro Isaïe Rélus avec Henri Aubergé. Nous voulons faire activité ça parce que nous voulons informer moun yo sou droit yo, chaque citoyen en tant que détenteur de droit et qui ça l'État a fait avec l'argent contribuable. Parce que c'est nous-mêmes, nous connaissons que nous avons parlé de marché public, donc c'est pour nous symposium sur le marché public qui c'est nous levier de développement et de croissance économique dans le pays. Donc c'est à travers le marché public là que l'État pral garantir droit moun. Et garantir droit moun, c'est nous-mêmes qui baillons l'État l'argent en tant que contribuable pour yo garantir droit nous. Comme si fait l'école, l'hôpital, bail santé, bail de l'eau, etc. Donc nous devons coïncider ça aujourd'hui hein, pour premièrement montrer PME, petites et moyennes entreprises yo, et très petites entreprises yo, qui gens commande publique là, comment y exercer. Qui ça qui dans commande publique là, c'est passation des marchés publics. Donc c'est tout achat que un gouvernement a fait pour réaliser droit contribuable, droit petit monde qui beaucoup contribuer tout et droit toute qualité monde. Donc automatiquement que pas gain transparence, que pas gain bonne gouvernance, que pas gain bonne gestion des finances publiques, ça gain un effet direct sur timoun yo qui pas gain accès à une éducation de qualité, qui pas gain accès avec santé et qui fait tout que indice de développement humain que nous gagnons nous-mêmes en Haïti en tant que pays yo très bas. Donc nous-mêmes nous intéressés dans thématique là et nous connaissons tout que à partir de 1992 Nations Unies a commencé à créer lien entre effet corruption avec et droits humains. Donc on voit que ou gagnent yon l'État qui gagne en pile corruption là-dedans, qui pas gagne transparence, c'est autant de fois que indice développement humain nous bas, donc population à vivre dans pauvreté. Enquête ministère éducation nationale et formation professionnelle t'a réalisé son ancien personnel ça qui en poste capitaine lettre nomination yo dans phase de finalisation directeur communication ministère Miloudi Vincent qui a annoncé information jeudi a fait qu'on est depuis environ 15 jours il a à recevoir information dans cadre enquête s'il a li expliqué dans ce maintenant il a bouclé ensemble opération collecte données sous personnel qui pas nommé yo. Il y a un compte rendu avec Rachel Saint-Fort avec Moïse Wilbridge.
Selon responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle, yo, te gen 5 équipes qui étaient réparties sur 10 départements pays dans le cadre d'enquête sur personnel enseignant et administratif qui poko nomé yo. Chaque équipe était responsable de 2 départements. Côté au passé dans le district scolaire, rencontrer directeur l'école pour prendre information au besoin sous catégorie Mounsayo, d'après responsable yo. Le constat, avec évidemment des cris nous vignes, des alertes nous vignes, fait nous croire que y a d'autres enseignants ou d'autres personnels administratifs qui en salle qui parviennent là. Face à la situation, ça, le ministre a dit depuis le discours de la rentrée, la poton élément de réponse, mais pour le faire, pour bien comprendre ce qui a passé, parce qu'il faut des données précises, la mettons comité commission mixte qui a à la fois des représentants ministères, qui a une direction générale, ressources humaines et quelques représentants cabinets, et aussi des représentants de syndicats enseignants. Démarche là, c'est à chercher information dans toute l'école à travers le pays, qui a des gens qui peuvent nommer, pour nous prendre toute information sur eux, à la fois au niveau académique, qui situation yo, dans qui classe a fait, pour nous avoir une documentation claire qui pourra le transmettre à ministre, qui lui-même pourra le transmettre plus haut niveau pour nomination personnelle. Sur des ça nous fait sur 4 jours, notamment jeudi 28, vendredi 29, et puis 1er et 2 décembre. Nous travaillons, nous sommes dans le district Tchot, le district Belance, le district Jacques Mel qui était accueilli, Kaj Jacques Mel, Marigo, La Vallée, le district Bénin et le district des Côtes de Fer. Nous gagnons environ 288 l'école pour Sud-Est, l'école nationale, et 23 lycées. Dans l'Ouest, là, où aujourd'hui, là, nous pouvons finir parce qu'on est son mégapole, son grand département. Nous supposons travailler jeudi à la avec les districts de la Gonave, nous gagnons d'ici de Port-au-Prince, nous gagnons d'ici de Carrefour, et puis avec quelques écoles dans l'Ouest. Demain, nous avons rendez-vous à Croix des Bouquets pour nous faire même activité ça. Un représentant syndicat enseignant, René Prévy Joseph, souhaitait un traitement rapide dans quatre dossiers là qui visait faciliter enseignants et personnel administratif et joindre les nominations. Yo doué bay moun qui là pour vous enseigner, chance pour être capable de faire un meilleur enseignement. Rapport d'enquête là, c'est yon, saisie de données, c'est yon, mais lettre nomination, c'est yon obligation, c'est yon impératif pour permettre que nous sortions avec étape ça, sortions dans étape ça pour nous connaître, avoir l'entrée d'emblée dans la question formation des maîtres. Selon responsable, c'est commission supervision gestion ressources humaines dans l'école publique qui réalise enquête ça. Une initiative qui visait améliorer gouvernance dans le secteur éducation, surtout dans l'école publique pour un meilleur apprentissage. L'autre point, ancien président Sénat, Andris Richer, fait qu'on est tout acteur, yo, t'as dû participer dans le dialogue là, exécutif là, de essayer de toucher tout secteur. Une façon pour le dialogue là réel pendant l'IQES, c'est une bonne initiative. En suivant un extrait. Je crois que c'est une initiative noble. Premièrement, pour deux raisons. Premièrement, le fait que quelqu'un comme Séan, qui est le premier ministre maintenant, c'est quelqu'un qui était candidat à la présidence, que lui aussi, il avait des propositions pour la nation, il était d'ici lui, le président, mais ça le fait. Monsieur Jovenel Moïse, était candidat, tout, il avait fait des propositions, mais ça le fait maintenant. Voilà que Moïse passait, et Séan pas passé, et voilà que le cafou de l'histoire fait que y'a une croisée, je veux dire. Et me trouvais que c'est très bien le fait que le président Jovenel a accordé plein pouvoir à M. Séan. Dit, bon, prouve-moi, c'est que, premièrement, ton engagement envers le peuple, ton engagement envers la nation, et puis, prouver une capacité de négociation. C'est ce que Séan essaye de faire. Je ne sais pas encore qui il a rencontré, avec qui est-ce qu'il travaille déjà, je ne sais pas. Mais je crois que le mandat lui a été donné, et c'est une très bonne chose. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, pays arrivé dans un moment côté que, arrivé dans un standard avec une sorte de seuil. Elle dit, il ne fait pas qu'elle a le pas qu'à baisser qu'elle a encore pour l'aller. Donc, ça m'a dit, je veux dire, un véritable shit attendez pour qu'on l'autre orientation que nous bâillons pays. Ça peut bien sûr se faire pendant que le président Jovenel est président. Il a tenté, par exemple, avec ses affaires d'État généraux, bon, malheureusement, qui est en train d'être boycotté. Bon, maintenant, les gens parlent de
conférence nationale. Mm-hmm. C'est pas dans bouche deux trois grands monde pour le sortir. Il faudrait que ce soit à travers un dialogue national et que si effectivement on doit prendre cette orientation là, on a pris l'idée. Maintenant, qui est-ce qui voit carré sous table là? Parce que moi, je estime que là, si on a fait dialogue par rapport à la réalité ailleurs, il faut que c'est monde qui veut être dans la rue, le monde qui a manifesté, le monde qui est dans l'opposition et qui assume ça, qui a mis sous table là. Moi, je crois que ce qui est important, que ce soit les gens qui sont, qui se proclament protagonistes du secteur populaire, Cap Goumen dans l'arrière, bon, quand tu dis tout le monde dans l'arrière, c'est quand même des centaines de milliers, donc vous ne pouvez pas faire des négociations avec des gens, il faut qu'il y ait des représentants. Maintenant, ces gens-là, s'ils négocient une sortie de crise favorable pour le pays, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que même le président de la République aujourd'hui, je dois comprendre qu'il doit être conscient que la situation est un petit peu malouque et difficile. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de sacrifice et d'acabditi quand il s'agit de défendre les intérêts de la nation. Député circonscription Mibale et Abel des Collines annoncé qu'il y a un groupe député qui apparaît pour empêcher votre projet loi finance 2018-2019 là si vous pas joindre explication sur l'argent qui était dans le budget exercice 2017-2018 là pour communio. Dans ce sens-là, parlementaire a encouragé le gouvernement à débloquer une série de projets qui ont rapport avec le budget 2017-2018 là. N'a invité au suivi un extrait dans le micro fait bien confident avec Moïse Obedj. Nous prenons note au niveau de la Chambre des députés, tout au moins des députés apparentés opposition au niveau de la Chambre des députés. Nous prenons note et nous prenons acte que le ministre de l'Économie et des Finances lui fait officiellement dépôt budget, projet de budget 2018-2019 d'un niveau Chambre des députés. En attendant que nous joignent les éléments de ce budget à travers document ça qui doit distribuer by chaque honorable député, moi-même Abel des Collines, et moi donner la peine pour moi parler dans non plusieurs l'autre collègue député qui a même préoccupation ensemble avec moi par rapport à dépôt budget ça, nous annoncer et nous engager en ce sens. Si notre cadre analyse budget ça au niveau des commissions de la Chambre des députés, si pas gagné de clarification, si pas gagné de correction, et si au niveau du gouvernement actuel, pas gagné de disposition rapide qui prend pour décaisser de l'argent qui non budget précédent yo en faveur des communes, en faveur du pays, en faveur des départements, nous apprend toutes les dispositions pour que nous empêcher le vote au niveau de la Chambre des députés de budget 18-19. Sénateur Grandanslan, Soret Jacinthe, expliqué dialogue, c'est plus bon voie pour résoudre crise politique et économique pays a fait face. Cependant, parti unité pour Kochita, premier ministre lance sous dialogue là. Non sans ça, sénateur Soret Jacinthe lancé un appel à tout acteur pour mettre tête ensemble pour joindre un accord politique. N'a les déclarations, le micro fait bien confident avec Moïse Obedj. Au niveau de dialogue, ça, c'est vrai, me parler avec les uns et les autres, mais parti a officiellement beaucoup touché. Il y a beaucoup chita parler avec parti a même parler avec le premier ministre, parler avec son chef de cabinet, mais sur le plan officiel, en tant que parti pour nous chita sous question dialogue, là, nous beaucoup fait. Mais nous sommes partisans de ce dialogue, non, puisque c'est nous qui apprenons, c'est nous qui mandons. Dans toute déclaration partie, donc nous dit quel que soit, que ce soit de l'opposition, que ce soit le président de la République ou le gouvernement, pas gagne l'autre chemin que c'est le dialogue. Parce qu'un pilote qui l'a, soit l'opposition, surtout l'opposition, c'est des acteurs qui font expérience déjà.
De 86 à aujourd'hui, il est facile pour retirer un gouvernement, mettre un gouvernement. Mais chita sur les grands dossiers comme la Constitution, chita sur la question d'élection, chita sur la question problème fondement nation. Et ministère intérieur en tête collée avec l'Office Management Ressources Humaines, OMRH, avec programme Nations Unies pour développement PNUD, l'ouvrit officiellement symposium sous gouvernance territoriale pour délégués départementales, vice-délégués avec secrétaire général Yo. Activité ça a commencé mercredi 12 décembre, non, l'a fini vendredi 14 décembre. Ministre intérieur et collectivité territoriale, Jean-Marie Rinaldo Brunet, dans discours pour circonstance-là, remercie acteur Yo qui rend activité ça possible. D'après ministre Rinaldo Brunet, activité ça traduit volonté administrative Moïse gouvernance séance pour renforcer le lien qui gagne entre l'État et la collectivité pour permettre bon genre développement durable. N'attendez-vous dans le micro, Falan Delphin avec Michel Joseph. Aujourd'hui, chacun reconnaît l'ampleur de la réforme qui doit modifier de manière profonde et irréversible les relations entre l'État et les citoyens, les relations entre l'État et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales elles-mêmes. C'est une réforme qui doit répondre à un souci d'efficacité en responsabilisant les autorités publiques aux différents niveaux de gouvernance pour un développement territorial équilibré. C'est bien là le sens des engagements pris par le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, lors du lancement du programme de modernisation de l'État en octobre dernier. Que des leçons ont été tirées et nous sommes tous conscients que la déconcentration représente un enjeu important pour la modernisation de l'administration publique. D'ailleurs, le Premier ministre Jean-Henri Séan, dans sa déclaration de politique générale, a choisi de faire de la déconcentration un axe majeur du renouveau du service public en plaçant les délégations et vice-délégations au cœur du dispositif. Au-delà de cette circonstance conjoncturelle, la déconcentration répond à une préoccupation exprimée depuis 1987 par le choix d'un mode d'organisation qui souhaitait mettre fin aux pratiques autoritaires et faciliter l'intégration de toutes les couches de la société haïtienne. Et puis, la fois qu'on est directeur général Office national identification ONI, Jude Jacques Hilbert, pour tes clarifications sous décision, yo te prend pour signer un contrat accompagné allemand d'Hermalog pour une travail dans système informatique institution. Jude Jacques Hilbert a porté plus explication dans le micro TNH. Les invités aux compagnies d'Hermalog qui sorti en Allemagne, qui t'est venu présenter et faire exhibition PAL. N'invite yo, mourele yo, nous dit est-ce que vous êtes intéressé à venir montrer nous le système là, m'inviter pour rencontrer avec moi-même avec le directeur technique là. Donc nous avons fait ça, nous avons accepté, nous avons venu, nous avons chita avec nous, avec le directeur technique là. Moi-même avec le directeur technique là, décidé, oui, son bon système que nous avons gagné, un système qui est plus avancé, un système qui a permis de nous intégrer plus devant. Et puis, un système qui est capable de faire plus rapidement une carte d'identification. Donc, dans l'idée de ça, nous avons invité à retourner encore pour nous travailler sur un contrat. Négocier avec le plus bas que possible dans la technologie. C'est comme c'est ça moi-même, là, nous on est pris bagaille. Nous sommes capables de faire une position pour faire une bonne négociation. Je pense que nous avons fait une bonne négociation avec eux. Nous avons acheté un système qui va coûter nous 27 700 000 dollars. Nous-mêmes, nous avons arrêté, qui est basé, qui dit que c'est un article dans l'arrêté qui permet nous de faire gré à gré, peut-être que la sécurité nationale, nous avons urgence, c'est ça que la loi permet. Donc, nous agi avec ça, le conseiller des ministres agit avec arrêter ça pour continuer avec le contrat. Donc, c'est ça que nous ne pouvons pas agir en dehors de la loi, nous agissons autrement. Et en dedans de la loi, pour nous continuer avec le contrat.
Et c'est le moment pour nous observer notre pause commerciale. Nous tenons avec notre information. Actualité va poursuivre. Merci pour fidélité et attention. Directeur général ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger, Yvon Bonhomme, a présenté mercredi 12 décembre, non, et ensemble problème ministère fait face. Directeur général Mavla, nous ouvrir un engagement pour avancement institution ça, qui voulait renforcer personnel li ak équipement travail li. Mildred Milias, à Toussaint Fresnel, a présenté un reportage en Tibet. Ministère haïtien qui vivent dans le pays étranger, MAV, dans l'idée pour continuer bien remplir mission, dans le respect fait des routes chef l'État, Jovenel Moïse confie responsable institution l'État ça, pas suspendre le travail pour améliorer qualité de service, avec assistance la baye à Haïtiens qui vivent en dehors pays, pour répéter directeur général Mavla Yvon Bono. BGA profite rappeler besoin institution à rencontrer dans le cadre fonctionnement. Malgré tout, li fè konnen yo rete déterminé pour accomplir tâche genyen ki se fè respecter droit chaque grand migrant haïtien quel que soit pays il trouve. Nous croyons que li de bon temps pour l'état en général ta vi regarder ministère des haïtiens vivant à l'étranger et nous croyons que si l'état vi regarder ministère et c'est pral youn nan pi bon cadeau que yo capable offrir compatriotes nou yo leur ballon ministère qui capable utile. Nan moment que n'a parlé là nous quoi ministère des haïtiens vivant à l'étranger gagné un service de doléances unité juridique et la trier mais si gagne un compatriote qui gagne problème en difficulté service de doléances ça li à pied le pa gagne véhicule unité juridique qui te ka courir monter descendre pour un compatriote qui en difficulté yo à pied pour permettre ministère à répondre comme ça droit à exigence li yo directeur général ministère haïtien qui vivent dans pays étranger yo Yvon Bonhomme souhaité dans budget pour exercice 2018-2019 là m'a joindre une augmentation dans budget fonctionnement sans on réponse à différents besoins ça yo nous pas capable bay réponse également à différentes demandes que en pile compatriotes frère nous yo ceux nous yo qui vivent dans pays l'étranger gagnent ministère haïtien qui vivent dans pays étranger yo créé dans l'année 1994 principale mission c'est accompagner compatriotes yo qui vivent dans l'autre pays. Développement durable, c'est sous thème ça, équipe Consommer Local lancé deuxième édition Salon Consommer Local Poignan. Deuxième édition activité ça a déroulé 15 à 16 décembre qui a venu là dans le parc historique Canne à Sucre dans la commune Tabar. Initiateur a invité public haïtien à participer dans activité ça qui a réuni pendant deux jours divers entrepreneurs dans le pays. Il y a un compte rendu avec Rodney Dorléan et Henri Auberger. Activité ça qui baptisé Salon Consommer Local là a réalisé dans objectif pour continuer faire promotion pour entrepreneur haïtien yo et puis encourager chaque citoyen haïtien acheter produits qui fabriqués en Haïti yon manière pour permettre économie nationale la prend jarret. C'est producteur local yo, producteur national yo cap bay emploi, cap paye taxes et aussi niveau macroéconomique nous même dans brasserie là nous réfléchir pour que sa consommation locale important et c'est moyen pour augmenter revenu tout habitant yo et exportation lutte contre l'exode rural et puis aussi moins d'importation. Oui, nous voulons commercialiser produits yo et faire promotion produits local là à l'international mais li pa jam marché tout autant que consommateur local là li pa valoriser produit local yo. Donc, il est important pour nous comprendre que la production locale est en pile volet. Bien entendu, le produit local a gagné tout genre d'obstacles là-dedans, mais il a gagné tout en pile côté positif. Et comme nous connaissons l'économie en son chaîne, donc si nous sommes capables de produire plus localement, nous connaissons que nous avons un aspect positif direct sur l'économie haïtienne en général. Les longs produits locaux arrivés en dehors de Haïti, ce n'est pas seulement produit, mais nous avons goûté, nous avons une expérience de pays en tout, nous avons une expérience de richesse culturelle paysanne. Dans la première édition d'activité, ça, nous avons un total de 90 exposants. Dans l'idée pour augmenter la quantité de produits et puis attirer plus de monde à Nissa, l'initiateur a ajouté 10 entrepreneurs sous effectif l'année dernière, qui donc, y ont total 100 entrepreneurs à bien pour exposer diverses qualités produits au gagné dans le parc Canne à Sucre
samedi 15 à dimanche 16 décembre 2018 qui vient là. Ce qui est différent, c'est que c'est diversité exposant. Yo. Nous avons bien sûr agroalimentaire qui est 50% qui est sur Anessa. Nous avons des gens qui sortent, nous avons pile compagnie qui sortent dans le nord, nord-est. Donc c'est très intéressant. Nous avons des gens qui font café, qui sont sortis du nord, qui font chocolat, qui sont sortis du nord. Comme tu as dit tout à l'heure, un jeune garçon qui fait guitare électrique, qui sortit Wanamek, qui a une vente guitare à Nessa. Donc nous essayons plus que possible de sortir du département de l'Ouest là, et aller chercher des gens à travers le pays pour venir dans le salon consommer local. Et en même temps, parce que bon, consommer local, comme on dit tout le temps, tout le monde pense que c'est vente, m'a parlé, mais c'est pas juste vente, c'est rad, c'est décoration intérieure, c'est toute bagaille consommer local. USAID, groupe Sogebank, ministère Tourisme et Industrie, ministère Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural, c'est quatre parmi divers partenaires qui baillent si pour eux dans le cadre de réalisation activité ça. Ligue nationale Force démocratique exprimé position sur situation sociopolitique à pays à prendre pendant. Denis Joussayou, président Ligla, Jean Batelmi, fait plusieurs propositions by autorité et puis encourager le gouvernement à continuer le dialogue avec tout le secteur dans la vie nationale là, et en façon pour permettre le pays à continuer à rester dans la stabilité. On suit un extrait dans le micro, Colo Elisère et Doris McKenzie. Nous demandons pour honorable parlementaire, donc pour bail à président Jovenel Moïse, yon chance dans partage des responsabilités avec parti politique PHTK, parti politique allié PHTK, les partis politiques de l'opposition, les partis politiques et l'opposition radicale et l'opposition modérée. Et gagnons nos points et que nous demandons, eh bien, non, programme apaisement social que le gouvernement mette à terre. Donc, faut que l'autorité locale, Kazek, magistrat, délégué ville Azek, donc, faut que participe dans le programme ça, et bien, pour permettre, donc, le programme en fait avec yo, il pas aller sans yo. Nous demandons aux opposition pour le Chita, pour rentrer dans le dialogue. Il faut faire meilleur coup par politique pour que pour le Chita, pour nous marcher pays. Jean pays ça est là, misère, population, c'est opposition, c'est parti au pouvoir, parti allié, société civile là pour nous mettre ensemble, pour que pour nous entrer dans le dialogue là, pour avancer pays. Une délégation Fondation humanitaire Mandodo qui sortit États-Unis d'Amérique organisée vendredi 17 et samedi 8 décembre de foire médicale dans la localité Morency avec du 6 dans le département sud de PIA. Pendant la foire médicale, ça y est, il y a une cinquantaine de docteurs infirmiers à travail social qui plus passé 1000 personnes soins santé. Dans dimanche 9 décembre, la Fondation humanitaire Mandodo te remet environ 3500 personnes cadeaux dans la commune Cavaillon. On a invité au suivant extrait. J'ai 6 mois depuis que j'ai un genou. Je n'ai pas fait aucun exercice avec genou. Quand je l'ai baissé, je me suis baissé, je n'ai pas fait son bagage pour me camper. Quand je suis en matin, je dis à un docteur, je me dis quand même pour me venir, faire exercice, je venir. Et puis pendant ce temps, je n'ai pas fait passer, je me dis que je vais aller pour me joindre. Ça moun yo pote a forme joine ni moi-même pa braler comme ça. M'boite, moi di, gade parfois l'aime braler dans marché ensemble à mesdames yo. Yo y a prele gros genou, y a ennuyé. M'ti mes amis, maladie pas tomber sous pied bois, c'est sous chrétien vivant tombé. Pounyan là, si yo couri derrière m'nam ka couri. Oui, m'ka font ti couri puis m'ka baisser, m'pa ka baisser dit tout. Pounyan meni m'ka fait ça, m'ka fait ça, m'ka fait ça. Mais mettre c'est pour moi docteur était venu pas venir pour personne moun encore. C'est plus gros grâce. Je m'a demandé pour bon Dieu garder pour l'accompagner pour le protéger quel que soit côté au passé. Chaque côté aller pour tout le monde jouer une solution même j'aime jouer ni kounia là. Éditeur exécutif Fondation humanitaire Mandodo Jeff Lozama à occasion deuxième forme médicale avec distribution cadeau de Morency du CIA Cavaillon t'es profité expliquer pour qui ça responsable d'une fondation organisée activité ça yo il profiter présenter l'autre institution qui soutient yo ensuite. Si moun sa ok chita la, c'est ti moun qui était premier dans classe yo. Et si n'était dit nous que ti moun sa yo tout d'abord recevoir une bicyclette et n'a médaille avec
une médaille d'excellence. Bicyclette année ça, nous avons une organisation les États-Unis qui est Lynx Incorporated. C'est eux qui subventionnent bicyclette ça. C'est moment nous allons observer une autre pause. Nous allons tourner dans un petit moment. Et nous avons entré dans l'actualité internationale pour une fois qu'on est shérif Chekat de 29 l'année, c'est non au attentat qui fait dans la commune française à Strasbourg, m'a dit 11 décembre 2018 là. D'après Fréfecti Basrine, chef l'arrivée est rentré dans le marché Strasbourg là à travers un pont qui est situé dans le sud de Strasbourg. Après fusillade là, il est échappé pour lui en direction Grenacade qui est situé à quelques centaines de mètres Strasbourgville, côté en pile moun a passé, c'est tout, dans période sa yo, sous route l'île, croisé, quatre soldats mission sentinelle là, li tiré sous yo, yo riposté côté au blessé nan bras. Parmi 27 membres Union européenne, yo, yon pas souhaité modifier accord yoté joint en Royaume Uni en Jean-Chancelier allemand Angela Merkel fait connaître ça, c'est position générale état membre yo. Dans Strasbourg, député yo affiché position yo tout. D'après eurodéputé démocrate tchèque là, c'est seule situation frontière avec Irlande là qui a quitté porte l'ouvri pour quelques compromis, mais pas gain concession qui a fait directement dans accord Brexit là. Eurodéputé portugais Ana Gomes, bon côté pas la confirmer, compromis impossible, non qu'à ça. Après programme pour avant nous aller première dame république la Martine Moïse après possible avec série distribution jouet by Timoun dans différents départements pays a première dame Nantes et dans ville Ancha mercredi 12 décembre non dans quatre distributions jouet pour fête Noël là ministère intérieur en tête collé à Office Management Ressources Humaines OMRA chaque programme Nations Unies pour développement PNU de l'ouvrir officiellement jeudi à symposium sous gouvernance territoriale pour délégué départemental vice délégué avec secrétaire général yo activité ça a fini vendredi 14 décembre non groupe croissance na tête collée à cabinet Marsan et puis PAC lancé mercredi 12 décembre non première édition symposium sous passation marché public activité ça a fait sous deux journées a réuni cadre dans administration publique là avec chef entreprise dans secteur privé a. Enquête ministère éducation nationale et formation professionnelle t'a réalisé son employé ministère à ça qui en poste capitaine lettre nomination en phase finalisation d'après directeur communication ministère Miloudi Vincent et puis parmi 27 membres réunion PNO youn pas souhaité modifier accord yoté joindre à Royaume-Uni sous dossier Brexit Jean chancelier allemand fait connaître Angela Merkel fait connaître ça ses positions générales état membre merci tout le monde qui t'a suivi. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.